Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il y a quelques jours maintenant, en tout cas, j'avais posté une vidéo sur le sujet du pourquoi. Pourquoi tu vis telle chose ou tu as vécu telle chose, cette situation, cette expérience, cette rencontre, etc. Donc pour amener de la compréhension. Et là, je viens sur un autre thème avec vous qui va être sur le comment. Voilà. Comment faire pour trois petits points. Je vais vous inviter d'abord, dans un premier temps, les amis, à vous concentrer au niveau de votre intention sur une chose en particulier. Comment faire pour, bien sûr, c'est pour obtenir quelque chose, pour vivre une certaine expérience. Enfin, vous voyez, c'est pour, il y a un but à atteindre. Comment faire pour, voilà. Donc, je vous laisse le temps, c'est important, que vous définissiez clairement dans votre esprit de quoi il s'agit. Peut-être vous pouvez le noter même. Comment faire pour, je sais pas moi, pour matérialiser de l'abondance. Voilà, ce que vous voulez. Bref, vous choisissez vos mots. Donc ça, c'est important. Et c'est tout quelque part. C'est tout ce qu'il y a à faire, puisque après, juste, je vais vous proposer un choix entre ces deux options. J'en profite, les amis, pour vous solliciter, hein, tout comme pour la vidéo précédente, si ce format-là vous plaît pour obtenir des outils, des conseils spécifiques pour obtenir quelque chose ou par rapport à une situation, eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. Plus ce genre de format-là, que ce soit sur le pourquoi ou sur le comment faire, aura du succès, on pourrait dire, ou plus j'aurai de retours, et plus bah, forcément je serai amené à vous en proposer régulièrement. Voilà, pour vous accompagner et pour vous aider. Donc surtout les amis, n'hésitez pas à liker et voilà, laisser un commentaire à ce sujet. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, j'ai des petites charmes qui sont ressorties pour vous aider dans votre choix. Donc choix numéro 1. Voilà, vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin. Et le choix numéro 2. En bas de cette vidéo, dans le petit volet d'informations, vous allez trouver le timing qui correspond à votre choix, les différents jeux que j'utilise. Comme d'habitude, toutes les informations importantes se trouvent en bas de la vidéo. Le moyen de me contacter en privé si tu as besoin d'une guidance avec moi en direct, une guidance personnelle et privée. Et aussi les amis, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Qui se trouve à côté du bouton s'abonner. C'est un moyen simple et on peut dire assez peu onéreux, parce que c'est à partir de 2 euros pour me soutenir, tout simplement, pour soutenir la chaîne et mon travail. Et en plus, ça vous donne surtout accès à des contenus exclusifs, des avantages exclusifs, des vidéos mensuelles exclusives et tout un tas d'autres formules possibles. Donc, je vous laisse découvrir ça. Il y a aussi en bas de cette vidéo un petit lien pour rejoindre les membres et il y a une vidéo d'introduction et voilà, tout est bien expliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. Voilà les amis, donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix 1 ou 2. C'est parti! Choix numéro 1, donc avec ce petit charme, je vais le remettre en haut, il est vraiment tout tout petit. Et je vais installer les cartes du tirage aussi. On a à la fois un tarot, un oracle. Alors, est-ce que tu vas tout bien? Non, il faut que je monte un petit peu. Et on est pas mal. Alors, on va commencer ici, donc, pour obtenir hein, ce que tu veux, enfin, ce que tu veux, ce que tu as choisi pour arriver à quelque chose. Là, on a le héros idéal. Héros, c'est toi. Ça veut dire dans tes énergies intérieures, dans ton état d'esprit, comment tu dois être le héros idéal pour arriver à cet objectif.
Alors, nous avons la reine d'épée. Très bien. Et on a ma super colle or. Alors, la reine d'épée. Donc là, c'est intéressant parce que déjà, on a un personnage littéralement qui ressort. Donc, je peux facilement me plonger dans ce personnage. La reine d'épée, c'est celle qui maîtrise le domaine, l'aspect du mental, hein, puisque l'épée dans le tarot, pardon, dans le tarot, oui, l'épée, c'est très lié à l'intellectualisation des choses, au mental, à l'intelligence aussi, donc elle a une grande intelligence, elle est cultivée, elle est érudite, elle est perspicace ici, et en même temps aussi les épées dans le tarot, c'est la communication, voilà, donc elle maîtrise, en fait elle maîtrise, si tu veux, sa pensée, et elle maîtrise ses mots. Voilà, tout est en accord, tout est, on est, comment te dire ça? Elle est pointilleuse, la reine d'épée. Elle est efficace. Tout est aligné en fait, au niveau de ses pensées et au niveau de ses paroles. Voilà, il n'y a pas un mot de travers, tu vois. Tout est en accord. Donc peut-être que, voilà, déjà au niveau de l'état d'esprit, c'est se mettre dans cette position de la reine d'épée. Maintenant, la reine d'épée aussi, c'est un personnage qui, dans son histoire, comment dire, a connu hein, certaines blessures, certaines trahisons, certaines déceptions. Et voilà, elle n'accorde pas sa confiance facilement hein, à l'extérieur. Elle a besoin de preuves. Elle a justement pas besoin d'avoir juste des mots, des belles paroles, parce que elle sait faire preuve de discernement. Discernement, clairvoyance même par rapport à ce qui l'entoure et en particulier par rapport aux personnes. C'est confirmé avec la carte de précision ici, ma super colle or, tu vois, on a en fait un vase qui s'est brisé, hein. D'ailleurs, il y a marqué ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Donc, en fait, ici, le héros idéal, c'est un héros qui, ça n'a pas été toute sa vie un héros justement quelque part. Héros idéal, donc pour réaliser, hein, on a bien compris ce que tu souhaites, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire des erreurs aussi, n'a pas peur de l'échec, qui apprend. Avec la reine d'épée, on est là-dessus. C'est on fait les choses. On agit et dans tous les cas, ça sera forcément productif. Ça va nous apprendre quelque chose. D'accord? Ça nous permettra d'évoluer, ça nous permettra de grandir. C'est quand même une reine qui a un statut élevé. Et puis en plus, tu vois, je suis en train de voir, on a la carte ici, on a bien marqué positif. Que te dire d'autre? Dans son état d'esprit, justement par rapport à ses fameuses blessures, c'est ce qu'on retrouve en fait ici, dans le fait que le verre soit brisé. C'est quelque chose qui te sert en fait. C'est pour te dire que dans ton état d'esprit, tu te sers de tes expériences passées et en particulier des choses qui n'ont pas fonctionné, des échecs ou des déceptions ou tout ça. Pour ne pas que ça se reproduise ou en tout cas pour en tirer une forme de sagesse avec la reine d'épée, une forme de sagesse, une expérience. Voilà, l'expérience de, enfin la sagesse de l'expérience plutôt. Alors, je bois un petit peu.
Oui, donc le héros idéal, c'est un héros qui se sert de son passé pour en tirer des leçons qui te servent aujourd'hui pour avancer vers la concrétisation de tes objectifs. Je regarde juste de plus près cette reine d'épée s'il y a d'autres messages à me transmettre. Bah déjà, tu vois, elle a les cheveux gris, hein, donc il y a bien cette notion de sagesse. Ouais, non, y a tout ce qu'il faut là. Alors, donc on a vu héros idéal, on va voir ici maintenant le conseil, les conseils directement des guides pour ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réussir, peut-être les actions à mener. Bah, le monde, et c'est une arcane majeure. Avec je suis une maison. Alors d'abord, ce qui me vient spontanément, les actions à mener, c'est de voir grand, de voir large, tu vois, de pas être dans une vision étriquée, dans des choses limitantes aussi, dans des restrictions. Dans des croyances intérieures, dans tout ça. C'est en gros ici ouvrir le champ de tous les possibles. Mais je pense que c'est d'abord un état d'esprit ici, parce qu'on parle de je suis une maison, tu vois, il y a marqué je rénove mon univers intérieur pour me sentir bien. Donc c'est bien dans ton foyer intérieur, dans ton état d'esprit, qu'il y a quelque chose à changer. On laisse aller ici. Les actions à mener, c'est de laisser aller les doutes, les inquiétudes, peut-être que je n'y arriverai pas, peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut, etc. Tu vois, comme là, ce personnage qui laisse aller son chapeau, voilà, on lâche prise un peu en fait. On abandonne ces remises en question intérieures. C'est vraiment à l'intérieur de toi que ça se joue, hein, parce que le monde nous parle de se sentir accompli, de se sentir réalisé. Donc il faut intérieurement que tu ailles, tu vois, c'est comme si tu changeais la couleur de ta maison intérieure, de tes pensées, de tes émotions, pour que tu te sentes justement bien, à l'image de ce personnage-là, sur la plage, tranquille, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre conscience que intérieurement, tu as tous les potentiels, tu as tous les éléments pour mener à bien vraiment ce que tu souhaites. Et puis, il y a l'idée d'une grande vision ici, parce que le monde, c'est... Enfin voilà, tu vois, le monde, c'est comme si c'était un peu la lune aussi, c'est décrocher la lune. Oui, tu as des grandes choses à accomplir ici, dans cette vie, dans cette incarnation. C'est une carte qui parle de ton chemin de vie aussi. Et peut-être bien sûr que en conseil, en action à mener avec le monde plus, cette ouverture, c'est s'ouvrir sur le monde, sur les autres. Ne pas rester, tu vois, justement, bah, symboliquement, enfermé chez soi, c'est aller dehors, aller dans des groupes, aller au contact des autres. Voilà, on est avec le monde. Le monde, bah, c'est tout ce qui nous entoure en fait. Donc tu adaptes hein, bien sûr, hein, parce que je n'ai pas précisément... Ça pourrait être tellement beaucoup plus chirurgical dans mes interprétations, dans mes ressentis, si je savais de quoi il s'agissait. Mais bon, là, voilà, je partage juste dans le moment présent ce qui vient. Donc à toi aussi d'appliquer par rapport à, eh ben, par rapport à ton objectif personnel. Mais bon, je suis quand même attiré aussi vraiment par... Donc là, on a la maison, ok, et puis là, on retrouve une maison, donc il n'y a pas de hasard, hein. Tu vois, là, c'est une maison avec vue sur la mer,
au bord de la plage. Il y a quelque chose de un cadre de rêve en fait ici. Donc ce cadre de rêve, c'est peut-être visualiser justement cet objectif atteint, visualiser un grand rêve. Ici, encore une fois, c'est l'idée de ne pas se limiter. Tu vois, la notion de cadre de rêve, de vision de rêve. Là aussi, ce personnage regarde ce qu'il voit en ouvrant la fenêtre. Donc, quelque chose à ouvrir intérieurement dans sa façon de voir, dans ses perceptions. C'est faire tomber des barrières, c'est ouvrir ton horizon aussi. Ok? Alors, ouais, on est pas mal. On va voir, troisième position, eh bien, quelles sont tes forces? Quelles sont les forces? Quels sont tes atouts? Ou alors les énergies extérieures qui vont t'aider aussi dans la réalisation de ton objectif? Ce qui va te servir, en fait. Alors, on a le 5 de bâton. Ok. Et ma malle de rangement. Alors, tu vois, ce qui va te servir, c'est d'aller retrouver en toi quelque chose qui était enfoui avec la malle de rangement, qui est, je dirais, avec le 5 de bâton, un état d'esprit compétitif. Voilà, compétitive, de vouloir se dépasser, peut-être vouloir ouais, prouver qu'on mérite, prouver qu'on est efficace, qu'on est bon, enfin voilà, c'est une carte de compétition, le 5 de bâton, notamment ici. C'est comme si elle disait, mais non, mais moi je sais comment on fait la formule, moi je vais y arriver. Enfin voilà, elle se dispute un peu voilà, pour savoir qui va faire ou qui est la mieux placée pour le faire. Donc c'est cette énergie du feu de détermination, de motivation dont tu as besoin avec l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu. Et comme on a la malle de rangement, je dirais que c'est réveiller ça en toi, tu vois? C'est la niaque ici, c'est la niaque pour y arriver. C'est le dépassement de soi-même, c'est le challenge. On aime le challenge ici. Et en même temps, ce dont tu as besoin aussi, c'est de venir apaiser, avec la malle de rangement, de venir apaiser les conflits intérieurs. Tu vois, on a je range les pensées qui me dérangent ici. Une carte d'allègement, catégorie des allègements. On avait allègement aussi ici. Donc, il y a besoin de j'entends de mettre de l'ordre, peut-être, de faire du tri. En fait, parce que là, on est sur la position de ce qui va, de tes forces, tes atouts. Donc, c'est peut-être justement ta capacité. Ici, on est dans une forme de chaos, de désorganisation. Eh bien, c'est à être organisé, à être pragmatique, à mettre des priorités, tu vois, avoir une stratégie pour atteindre ton objectif. Donc la stratégie, en fait, c'est ça, ta capacité d'ordonner les choses qui va t'aider. Et en même temps, on me dit que tu as très certainement déjà essayé des outils, puisque ça là, ce sont des atouts que tu as, ou qui vont t'aider, des outils pour régler les conflits intérieurs. Tu vois, ces personnages, ça peut être des personnages intérieurs. Il y en a un qui dit tiens, on va à gauche, l'autre qui dit on va à droite, l'autre il faut faire comme ci, comme ça. Bon, et ben dans cette situation que tu as certainement déjà vécu du 5 de bâton, de désordre, eh bien, comment tu as fait pour remettre les choses en ordre? Comment tu as fait pour apaiser ces tensions intérieures? C'est ces outils-là qui vont t'aider parce qu'ils vont, ils vont, t'en as besoin dans la réalisation de ton objectif. Voilà. Eh bien, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite surtout pas
un petit pouce bleu déjà pour m'encourager à nous partager tes ressentis dans les commentaires. Et ça sera toujours apprécié et c'est important là aussi. Donc, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2 avec ce bel éléphant que je vais mettre tout en haut et je vais installer le tirage. Alors j'espère que tu es bien concentré sur ce que tu veux atteindre. Donc on va parler de cet objectif, de comment faire pour y arriver. Je vais vérifier que tout est bien cadré, oui, mais on est plutôt bien. Et c'est parti donc. Alors, position numéro 1, c'est le héros idéal pour atteindre cet objectif. Héros idéal, c'est l'état d'esprit intérieur, comment est le personnage idéal pour réussir à atteindre cet objectif. On a l'empereur. Alors, c'est une arcane majeure du tarot en plus. Et on a mon sirop magique. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Bon, déjà, c'est intéressant. Pour le premier, c'était le même cas. Là, on a un personnage. C'est une figure dans le tarot. C'est pas n'importe laquelle en plus, l'empereur. L'empereur, bah déjà, c'est celui qui, comment dire ça? Qui a il est visionnaire, tu vois. Hein? Un empereur, on parle d'un empire, on parle de construire un empire ici. Donc il y a peut-être l'idée de vouloir matérialiser, vouloir quelque chose qui est, comment dire? C'est pas rien, quoi. Voilà, c'est pas rien, c'est un grand truc. Mais l'empereur, il a confiance surtout. Il a confiance en lui, tu vois, il a son sceptre de pouvoir, donc il a confiance dans son pouvoir personnel pour mener à bien ses objectifs. Il compte pas sur les autres, l'empereur, dans son essence. Il s'appuie, tu vois, sur ses propres ressources, ses propres capacités. De plus, on voit là. Je sais pas, ce parchemin, et moi ça me parle de d'avoir un plan. D'avoir un plan concret. C'est ça dont tu as besoin. C'est de déterminer les différentes étapes pour arriver au succès, à la concrétisation de l'objectif. Tu vois, avec l'empereur, il y a une forme d'ordre. Un ordre, il y a des choses à respecter. C'est organisé, voilà, chiffre 4 aussi, organisé. Donc dans son état d'esprit, l'empereur, mais donc toi, ici, hein, c'est en gros, quelque part, pour arriver à ton objectif, ça veut dire qu'il faut que tu sois dans la peau de l'empereur. Et on a en complément le sirop magique, la potion magique, donc qui vient amener une grande force, tu vois. Une force, c'est comme la potion magique là d'Astérix et Obélix. Y a rien qui peut l'arrêter, l'empereur. Il sait où il va, il sait clairement, et tout est défini clairement, tu vois, au niveau de l'objectif et au niveau des différentes étapes pour l'atteindre. Le plan est carré, on a le chiffre 4, le plan est carré, tout est organisé. Et surtout, je te parlais du sceptre de pouvoir, de confiance, et on retrouve le sirop magique. Je concocte une potion qui booste ma bonne humeur. Et elle est dans le positif, donc on a un état d'esprit positif, joyeux, confiant. Une potion qui va être connectée avec le chakra sacré, parce qu'elle est orange, couleur du chakra sacré, donc couleur du plaisir, de l'envie, du désir, de la sexualité, mais donc du désir, tu vois.
Ici, c'est pas l'empereur qui va réaliser quelque chose parce qu'on lui... D'ailleurs, personne, tu vois, n'est au-dessus de l'empereur. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, s'il le fait pour lui. Donc, il est motivé par cette ambition. Super. Alors, attends, je vérifie si j'ai d'autres choses qui viennent, qui ont envie de venir avant de passer à la suite. Je vois juste toutes ces fleurs ici. Donc, comme on parle de l'état d'esprit, hein, c'est un état d'esprit, comment dire? Je sais pas, j'ai la notion du printemps ici, de l'effervescence, tu vois, de quelque chose. Oui, c'est ça. J'ai ce mot même avec la potion et il y a des petites bulles dedans. C'est l'effervescence, c'est ça pétille en fait, tu vois. Ça nous anime, c'est ce qui nous donne un élan, ça nous donne envie. C'est ça, cette effervescence cultivée. L'état d'esprit, c'est de l'effervescence en soi. Un bouillonnement, mais pas un bouillonnement. Enfin, un bon bouillonnement, un bouillonnement positif. Quand on trépigne, c'est ça, trépigne un peu d'impatience, de ah, j'ai trop envie, j'ai voilà, c'est l'envie en fait, c'est l'envie. Alors, on va voir ici justement pour le coup les concrets, les actions à mener concrètement, qu'est-ce qui va t'aider, les conseils au niveau des actions pour réaliser bien cet objectif que tu as. On a l'ermite. Alors c'est une arcane majeure là aussi, numéro 9. On avait le 4 et on a la 9. Et on a mon talisman. Alors, les actions à mener. L'ermite nous parle d'un temps quand même de réflexion, nous parle d'un temps d'introspection, d'un temps pour peut-être obtenir certaines réponses encore intérieures. Peut-être que tu vois, là on a l'état d'esprit idéal. Lui, l'empereur, il sait exactement où il va, on l'a vu avec le plan ici, les symboles qu'il y a. Il sait où il va, il sait les différentes étapes. Donc peut-être que là, les actions à mener, les conseils, c'est justement de prendre le temps, avec l'ermite, on prend le temps pour le hibou ici qui va amener cette clarté, cette clairvoyance. Il y a besoin de clarté, en fait, sur cet objectif et les moyens d'y arriver. D'abord, visualiser, tu vois, d'abord, visualiser les différentes étapes, le chemin, le cheminement pour y arriver. Donc on n'est pas ici sur un conseil d'action extérieure tout de suite, genre il faut se lancer ou ci ou ça, il faut mettre ça en place. Non, justement, au contraire, c'est je me pose et je médite sur mon objectif. Ouais, l'ermite carte de méditation, et puis on le voit en même temps là, dans cette posture. Méditer pourquoi? L'image va me parler, tu vois, pour faire le tri. Il y a besoin de faire le tri. C'est comme si là, il y avait sur le tapis avant plein d'objets, plein de choses, et peut-être que justement pour arriver à ton objectif, genre bon bah il y a tout ça qui est possible, qui est accessible. C'est faire l'examen ici. J'entends des différentes possibilités pour à la fin choisir, pour être déterminé, ciblé. Tiens, c'est ça qui vibre, tu vois? C'est ça qui vibre. C'est ça dont j'ai besoin précisément. Et tout le reste a été mis de côté. On a fait son choix, on fait des choix ici. Après, on a marqué, je crée mon amulette porte-chance. Alors, littéralement, on peut le prendre aussi tel quel. Puisque là, c'est la carte des conseils, des actions, bah, peut-être créer une amulette porte-chance. Alors, une amulette porte-chance, voilà, enfin, je ne vais pas te faire un dessin, peut-être que tu peux te servir de plein de choses, tu vois, l'esprit ici créatif qui est mis en avant, voilà, amuse-toi à créer peut-être voilà, une amulette, un collier, un bracelet, je ne sais pas, quelque chose qui va t'accompagner, qui va te donner de la force ici, de la force
pour mener à bien, eh bien, cet objectif. Ça pourrait être aussi, vu qu'on a l'ermite au-dessus, dans les visualisations, tu vois, dans la visualisation, dans l'esprit, en fait, créer la situation que tu désires, créer, pourquoi pas visualiser cette amulette porte-chance. Voilà, après, c'est à toi de voir, hein, tu fais comme tu le ressens. Si ça résonne, là, peut-être, tu vois, on a vraiment cette notion de résonance ici, de toute façon, avec la. Je sais pas si tu vois là ce qui est en blanc, il y a quelque chose qui vibre. Donc justement, pour le coup, c'est bien le cas de le dire, prends ce qui vibre avec toi là, pour t'aider. Mais tu as besoin de faire vibrer aussi à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a l'ermite, la confiance en soi. De connecter avec cette énergie de confiance et la faire vibrer dans tout ton corps. Alors, on va voir maintenant la troisième position qui nous parle de tes forces ou des atouts, de ce qui va te servir, ce dont tu as besoin pour cette quête de réalisation. Pardon. De quoi tu as besoin? Alors, on a le 5 de Pentacle. Avec mon totem de gratitude. Alors. Ici, plusieurs choses. Tes forces, tes atouts. Moi, je ressens ici la persévérance, la résilience. Tu vois, on a ces personnages qui viennent de, je sais pas d'où, mais qui ont parcouru un long chemin dans la neige, dans des conditions vraiment difficiles, mais qui n'ont pas perdu espoir, qui ont continué, qui ont persévéré malgré la difficulté. Pour voilà, au final, atteindre une étable là ou un foyer où ils vont pouvoir être accueillis, un foyer chaleureux. Donc c'est ne rien lâcher ici. Hein. J'entends ne rien lâcher, continuer à y croire, savoir que tu as du soutien. Ce qui va t'aider, c'est le soutien aussi. Voilà, justement, et avec le totem de gratitude, c'est le message qu'on me transmet. C'est ta capacité peut-être à te connecter avec ton équipe de soutien, ton équipe angélique, ton équipe de lumière. Hein, quand tu en as besoin. Parce que le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle de ça, de besoin. On est dans le besoin, on est dans le manque. Donc dans ces moments-là, voilà, se connecter avec ton équipe de soutien, c'est ta force. Et en même temps aussi, là, on a le totem de gratitude. Donc ta capacité à voir le beau. À être reconnaissant pour ce que tu as, même si c'est pas grand-chose. Dans le 5 de Pentacle, justement, on est dans un état d'esprit de privation, de manque, peut-être de rejet aussi, mais ici, ça va être surtout le manque. Et là, totem de gratitude, c'est au contraire quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, qui est reconnaissant, justement. Donc la gratitude, ici, c'est ta puissance de gratitude qui va être aussi ton atout, hein, pour des choses simples, pour ce que la vie t'offre, ce que la vie t'apporte, ce qu'elle t'a déjà apporté aussi. Je dis merci pour embellir ma vie, c'est ce qui est écrit. Je dis merci pour embellir ma vie. Donc la gratitude, de toute façon, c'est une grande puissance, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, moi, ce que j'ai aussi, alors après, ça dépend de ton objectif, mais tu as une énorme bienveillance en toi, de l'empathie, de l'amour à l'état pur, justement,
Surtout aussi par rapport aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans l'énergie, je dis 5 de Pentacle, quoi, qui clairement ils ont besoin d'aide, tu vois, ils sont vraiment dans des situations précaires, quelle que soit la problématique qu'ils rencontrent, mais ils sont dans des situations précaires où voilà, l'aide elle a besoin d'être apportée. Et toi, tu es cette personne qui est bienveillante, qui apporte l'aide, et ça, pour ton objectif, c'est une grande force. Peut-être que ça veut dire ici que le fait que tu sois dans une forme d'altruisme, en plus on avait l'ermite, ouais, avec les autres, même si c'est pas lié directement à ton objectif et que tu fais pas les choses justement pour aider, il n'y a pas l'idée de faire. Pardon, je me suis un peu voilà, embrouillé. Il n'y a pas l'idée de faire les choses pour obtenir quelque chose, tu vois, c'est un don que tu fais, un don de toi, c'est généreux, c'est une générosité naturelle. Et en fait, quelque part ici, on te dit que ta générosité naturelle, eh ben ça va t'aider à réaliser toi ton objectif personnel. Ouais, c'est bien ça. Eh bien, écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, que ça a résonné avec toi, surtout, n'hésite pas vraiment. Un petit pouce bleu déjà si tu as aimé et à partager tes ressentis dans les commentaires. C'est important pour moi, c'est important pour les autres aussi qui ont fait ce choix et qui te liront. Donc je te dis à tout bientôt, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, bisous et bah oui, à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut!